Si l'on sort du plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pour même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur, qu'on vous donne comme par erreur, tant qu'on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de vide, qui ternissent les miroirs. Apprendre à aimer, à donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, apprendre à rêver. Arriver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, apprendre à donner, donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, et s'en aller, et s'en aller. Qui téléphone à la clinique de Neuilly pour avoir des nouvelles de sa femme qui vient d'être opérée. Allô, la clinique de Neuilly? Oui, monsieur, le docteur. Oui, monsieur, le docteur, s'il vous plaît. Oh, c'est lui-même à l'appareil. Bien, je voudrais avoir des nouvelles de ma femme, Madame Dupont, et savoir si l'opération s'est bien passée. À ce moment, une erreur de la standardiste survient. Et M. Dupont se trouve branché avec un garagiste et j'ai en communication avec un client qui lui dit « Allô, vous m'écoutez ?»« Parfaitement. Alors, rassurez-moi. »« Eh bien, ça va. On vous la rendra demain après-midi. Chez vous. »« Déjà, oui. » Mais quelle corvée avec elle, nous avons dû démonter tout l'intérieur. Elle avait les organes en très mauvais état. Ce qui aurait pu occasionner des ennuis à l'usage. Alors on les a remplacés. Elle est comme nous maintenant. Et même demain, vous pourrez vous en servir. Et en servir, mais sans aucune crainte, je crois que vous serez content. Oh, j'oubliais, on a aussi diminué le trou d'admission qui était trop large. Le trou d'admission qui était trop large. Bon, ben vous y allez un peu fort. Mais monsieur, il n'y a aucun doute, l'usure le prouve. Mais monsieur, ça c'est trop fort. Je vous dirais aussi que votre piston est usé. Il ne vaut vraiment plus rien. Vous me comprenez? Nous lui avons introduit un piston plus gros que le vôtre. Et nous avons été étonnés du résultat obtenu. On a également dégagé le trou de sortie. Mais monsieur, quel trou de sortie? Eh bien, celui par où s'échappent les gaz. Car en plus, il était trop étroit et trop petit. C'est un vrai plaisir de voir comment elle marche bien pour le moment. Sans complication, bien entendu. Je l'ai essayé moi-même hier soir. Et ça s'est très bien passé. Et sans résistance aucune. Ce matin, nous sommes montés à 5 dessus. Et elle s'est très bien comportée. Allô, allô, qu'en pensez-vous? Et là, plus de réponse. Monsieur Dupont s'est évanoui. C'était le charbon, le ciel,
c'était l'horizon, les hommes des mineurs de pont. Aux fenêtres de grès, toutes les fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Et mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays. Je lui